Alors, ben, les primo-accédants aujourd'hui sont en grande difficulté. Il faut savoir qu'ils représentent entre 30 et 35% d'acquéreurs sur notre secteur, Paris-Île-de-France. Grande difficulté pourquoi ? Pour une bonne et simple raison, c'est qu'un, il y a eu une augmentation des prix, et aujourd'hui on est plus à une stabilisation, non pas une baisse mais une stabilisation. Deux, nous avons des taux d'intérêt qui ont légèrement augmenté aujourd'hui, qui sont intéressants mais qui ont quand même augmenté. Et troisièmement, le pouvoir d'achat qui n'augmente pas. Vu l'augmentation des prix, aujourd'hui, le primo-accédant est en difficulté et reste en règle générale sur le côté, observe et attend. Oui, bien sûr, puisque aujourd'hui, le primo-accédant emprunte sur une durée qui est beaucoup plus longue qu'auparavant. Auparavant, il y a 10 ans, il empruntait sur une moyenne de 15 ans, une quinzaine d'années. Aujourd'hui, nous sommes plutôt sur 25 ou 30 ans. C'est une obligation, bien entendu. Pour pouvoir réussir, aujourd'hui, l'agent immobilier a complètement changé. Aujourd'hui, c'est un changement radical, puisque l'agent immobilier est devenu un facilitateur de transactions, de projets. C'est-à-dire qu'il passe de la phase de conseil, d'accompagnement, jusqu'au suivi signature notaire. Et c'est beaucoup d'écoute, c'est beaucoup de conseils, c'est beaucoup de transparence et c'est beaucoup de services. Donc le montant des honoraires sont justifiés, tout simplement, par le travail effectué et surtout la qualité de ces services. L'évolution du marché a fait que l'agent immobilier est obligé d'offrir des prestations bien particulières aux primo-accédants. Je vais aller plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien entendu regarder la durée, le taux, par exemple, d'un crédit, mais aussi l'enveloppe financière. Et à ce moment-là, le rôle de l'agent immobilier est essentiel, puisque c'est à lui de dire à son client, lorsqu'il a un coup de cœur, par exemple, dire « halte là, regardons ensemble tranquillement ». On regarde le montant des charges, le montant de la taxe d'habitation. Regardons les PV d'assemblée, justement, les procès-verbaux pour regarder s'il n'y a pas de travaux à voter par la suite. Regardons ensemble tous les frais annexes que vous allez avoir pour cette acquisition. À partir de ce moment-là, eh bien, l'acquéreur peut faire son acquisition d'une façon tout à fait sereine. À l'inverse, s'il traite directement, par exemple, par un particulier, il n'aura pas tout ce conseil, il n'aura pas toutes ses prestations. Et là, malheureusement, de temps en temps, il y a danger. Ne pas hésiter à acheter. Le primo-accédant aujourd'hui peut acheter de l'immobilier, son bien immobilier, c'est beaucoup mieux que rester locataire, bien entendu. Constituer son patrimoine, la seule chose, il faut qu'il se fasse conseiller valablement. Et pour ça, surtout, faites appel à un vrai professionnel de quartier qui connaît parfaitement son secteur et qui pourra conseiller valablement. Systématiquement, faites appel à un professionnel.